donne un coup de main à Maggie. Ce serait formidable si on pouvait mourir comme ça. Tu ne trouves pas que c'est plus formidable de vivre? Georges, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Dis-le-moi. J'ai oublié. Il y a la merde. Si tu continues à poser des questions aussi idiotes, je t'étrangle. Georges. Hein? Je t'ai lu ces documents, qu'en penses-tu? Ma petite maman, tout ce que tu fais est bien fait. Tu ne m'as pas écouté, tu n'écoutes plus jamais. Tu vis dans un rêve. Comme si le monde n'existait pas. Existe-t-il? Hélas. Pour qu'une femme comme toi, forte, organisée, combative, en arrive à exprimer des regrets, c'est qu'il n'en est pas digne. Et j'ai raison de le mettre en question. En attendant, c'est lui qui nous cause des problèmes. Projette-les. Ça n'arrangerait rien. Aide-moi à sortir de ce patras. Oh, mais il y en a pour des heures. Quelques dizaines de minutes seulement. Je te délègue mes pouvoirs. Françoise peut attendre. Moi pas. Bonsoir, ma petite maman. Bon courage. Je vis uniquement pour toi et par toi. Le monde, je m'en fous. Il peut bien crouler. Écoute, Georges, c'est pas possible de vivre comme ça, longtemps. Nous ne sommes pas seuls. Si, Françoise, nous sommes seuls. Toi et moi. Par moments, tu me fais peur. Moi, une seule chose me fait peur. Mm-hmm. C'est de ne pas te toucher lorsque je tends la main. Ne pas rencontrer ta bouche. Lorsque je tends les lèvres. Ne pas trouver ton corps. Quand je te désire. Étienne! Bonjour, Cécile. À quoi pensez-vous à la cuisine? Ces œufs sont immangeables. Vous avez dû casser encore le sablier. Non, madame. Passez-les-moi, j'adore ça, les œufs durs. Dites à Maggie de se dépêcher, je suis déjà en retard pour mon rendez-vous chez le notaire. Et sortez la voiture du garage et vérifiez le niveau d'essence.
Vous ne devriez pas le bousculer. Il est malade. Vous trouvez toujours une raison pour excuser ses maladresses. À la vérité, c'est un paresseux. Comparé à votre activité, tout le monde le serait. Et Georges, il dort encore? Il paraisse. J'ai bien fait de ne pas compter sur lui pour mon rendez-vous de ce matin. Vous lui avez demandé? Oui, et sans succès. Depuis un an, il ne met plus les pieds du lit avant 10 heures. Disparaît, disparaît! T'as encore 5 minutes avant 10 heures! Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? J'ai reçu une lettre de Laurentin. Ah, voilà un qui écrit. Depuis le temps que j'en entends parler, j'aimerais bien le rencontrer. Je lui aurais bien demandé de venir si je ne craignais de déplaire à Georges. Je n'ai aucune envie de revoir les gens d'avant. Il doit me détester à mort. Laurentin est incapable de mesquinerie. Comment il est? Il n'est pas. Bon. Eh bien, je vais affronter le notaire. Dis-lui que s'il n'est pas gentil avec toi, j'irai mettre le feu à toutes ses paperasses. Chic! J'irai avec toi, ce sera marrant. Si j'étais partie. Courir à ta recherche? T'aurais pas su où? Jusqu'au bout du monde. T'es parfois d'un romantique. Chiche. Oh non, c'est trop fatigant, je préfère rester au soleil. Pourquoi tu dis des choses inutiles? Tu en dis pas, toi, des choses inutiles? Jamais. Prétentieux avec ça. Tu sais ce qu'on me disait quand j'étais petite fille? On me disait, les prétentieux ne seront jamais de vrais amoureux. J'ai toujours pensé que les proverbes traduisaient la connerie humaine. Ils sont vieux comme la Bible. Puis c'est ça, toi? Dis donc, tu es grossier quand quelque chose te gêne. En psychanalyse, ça s'appelle... Oh, je t'en prie, pas de grands mots tarabiscotés. Aujourd'hui, c'est relâche. Toi, lorsque tu es gênée, c'est le vocabulaire de ton métier qui te revient. Je t'ai déjà dit que j'avais jamais été comédienne. J'ai accepté un petit rôle pour dépanner des copains. On dit ça? Tu es mauvais, je te déteste. Ah! Non! Oh, mais laisse-moi! Fiche-moi la paix! Qu'est-ce que tu as? Tu m'as fait mal! On va pas se fâcher pour ça. Qu'est-ce qu'il y a, Étienne? J'ai besoin de vous, monsieur Georges. Quelle emmerdeur! Vas-y, le pauvre type. Je t'allais donner un coup de main à Étienne. Étienne a de la chance. Je ne crois pas à la chance. En quoi croyez-vous, chère Françoise? Je commence à croire à l'amour. Lequel? Oh, je ne fais pas le détail. Si vous aimez Georges. Vous aimez Georges? Et vous? Je suis sa mère. Je suis sa femme. Vous devriez lui être de meilleurs conseils. En somme, vous voulez que je fasse fonction de mère et que j'abandonne celle de femme. Georges vient de vous donner une année entière de son existence, c'est exceptionnel. Je trouve ça normal.
Vous êtes d'un égoïsme. Croyez-vous que ce n'est pas le rêve de toute jeune femme? Avoir l'homme qu'elle aime tout entier à elle, la nuit, le jour, sans que rien, ni personne, ne puisse le détourner d'elle? Ce n'est plus un homme. Je peux vous affirmer que si. Georges devrait travailler. C'est lui qui décide. Si au moins vous l'encouragiez. Vous voulez que je le lâche? Parce que vous pensez que sans vous, il se sentira abandonné? Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Laurentin est d'accord pour le reprendre avec lui au laboratoire. Ce Laurentin, chère Cécile, ne vous aurait pas fait la cour? Auriez-vous mauvaise conscience? Vous employez de ces mots. Parlez comme tout le monde, je comprendrai. Dites-moi, vous êtes une putain ou vous êtes une traînée ou... Vous êtes une nymphomane. Ça aura l'avantage de la franchise. Vous êtes encore plus belle lorsque vous vous mettez en colère. Curieuse, Cécile. Je vis avec vous depuis un an et je vous connais à peine. Fuyante et présente. Parfois trop présente. Ça veut dire? Je ne sais pas. Mais quelquefois, j'ai l'impression que vous vous tenez derrière la porte où Georges me fait l'amour. J'ai beau regarder, je ne vous aperçois pas. Mais je vous sens. Quelle imagination. Achevez, dites maladive. Peut-être sommes-nous tous malades. Alors appelez vite un médecin. Mais vous avez peur de faire venir quelqu'un de l'extérieur, hein? Même votre curé est tenu à l'écart. Ouf, je ne m'en plains pas d'ailleurs. Je n'aime pas ces gens-là. Leurs histoires sont tellement invraisemblables. Vous apprendrez que les traditions sont indispensables à un bon équilibre familial. Le plus tard possible. Et s'il ne tient qu'à moi, jamais. Qu'en pense Georges? Georges? Vous l'aimez moins. Aimez moins, aimez plus. Ne trichez pas. Tricher avec qui, Cécile, et pourquoi? Aimer Georges moins, c'est ne plus l'aimer du tout. Alors croyez-moi, ce serait vite fait. Je plaquerai tout, je m'en irai. Où iriez-vous? N'importe, je trouverai. Nous n'en sommes pas là, heureusement. Pour qui? Pour nous tous. Si on foutait le camp. T'es pas bien ici. Mais si, je suis bien. Et alors? Mais c'est comme ça, pour voir. Pour changer. J'ai pas envie de changer. Moi, j'ai envie. Ça passera. Bon. J'ai soif. De l'eau? Champagne. Il faut aller à la cave. Et alors? Tu as peur peut-être? C'est Cécile qui a la clé. Bon, t'as qu'à lui demander. Elle dort. On va voir. Tu viens? Qu'y a-t-il, mes enfants? Françoise a envie de champagne. Non, c'est toi. Ah non? Menteur! Mais Françoise! Menteur! Menteur! Bonsoir, maman. Françoise! 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 Ouvre! Pourquoi? C'était plus fort que moi. Te voir manquer de courage pour une malheureuse coupe de champagne.
Tu parles de Cécile comme si elle était une étrangère. Je sais. Tu as dit simplement la vérité. Il y a des fois où je préfère le mensonge, ça a plus de classe. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, laisse tomber. Tu sais, Georges, tu devrais penser à reprendre ton travail avec Laurentin. Le temps est beau pour la saison. Oui, ça arrange tout le monde. Ça roule vite. Ça dépend où on va, ce qu'on cherche. Le coin est beau par ici. Si vous cherchez une auberge tranquille. Voilà. Pas dit le pampis qui vous laisserait vers Laurentin. Mais Hélène, vous êtes odieuse à lire ainsi dans les pensées. Depuis combien de temps nous connaissons-nous? Je me souviens parfaitement de notre première rencontre. Le jour où votre père m'ayant fait visiter l'usine m'a ramené dans son bureau pour me proposer la direction de son laboratoire de recherche. Vous arriviez des États-Unis, vous aviez une robe très courte, très découverte. Et vous étiez cuivrée. Et vous avez cru être tombé à moi de moi. Vous avez refusé de suivre une conversation sérieuse et technique. Et vous êtes parti. Je n'aime pas les hommes qui tombent à moi de moi. Je les utilise, je ne peux pas les aimer. Je finirai par en aimer un. Celui-là se vengera de ceux qui ont rêvé de vous. La vengeance sur le plan des rapports sexuels est une chose que je ne connais pas. Ça s'appelle le dépit chez l'homme, la jalousie chez la femme. Mais comment appelle-t-on la rencontre de deux êtres qui se plaisent, se lisent et les lient, sans histoire et sans sentimentalité malsaine? Cher ami, je suis si heureuse. Cécile, mariée. Est-ce que vous êtes belle? Je pourrais vous retourner le compliment. Oh, je suis une vieille dame maintenant, une vieille peau, comme disent les jeunes. Où sont-ils, les jeunes? Égarés quelque part dans la forêt, comme ils ont la phobie de l'heure. Excusez-les. Parce que j'étais môme et que j'oubliais l'heure, c'est comme ça qu'on m'appelait. Comme un toutou, c'est marrant. Moi, ce que j'ai toujours fait, je me cachais. Je ne rentrais vraiment que quand je voulais. Une fois, j'ai trouvé un trou. Je me suis endormie, ils m'ont cherché toute la nuit. Un fruit? Non, merci. Étienne? Je reconnais que la campagne et la solitude manquent de charme. Vous servirez le café à côté. Maggie demande s'il faut préparer un repas froid pour... Comme un sauvage. Il faut que j'aille rassurer Maggie au sujet de Georges. Quand il saute un repas, il se fait une mille dents. Par bonheur, ça n'arrive pas souvent. Ça existe encore, ce genre de vie? Comment croyez-vous que ça se passe chez votre père? Je ne vais jamais chez lui. C'est toujours lui qui vient chez moi. Il est encore plus fort que je n'imaginais. Enfin. C'est
Cette rencontre a dû se produire il y a plus d'un an. Tout ce qui concerne Georges me touche au plus haut point. Votre ramage, monsieur Laurentin, ressemble à votre plumage. Je veux dire, vous êtes bien tel que je vous imaginais à travers ce que j'ai entendu dire de vous dans cette maison. Marie-Hélène Valois commençait à se demander si tu n'étais pas un produit de mon imagination. Bonsoir. Tu dois mourir de faim, mon pauvre chéri. Georges! Tu l'as fait exprès. Voyons. C'est de là, qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Ce sont des amis. J'en veux pas, qu'il parte tout de suite. C'est impensable. Tout de suite. Seul, tu comprends, seul. Débrouille-toi, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Sans me demander ce qu'il y avait dedans. Laurentin est un farceur. C'est son côté vieil étudiant qui... Et là, Marie-Hélène, qui vous dit tout à cette petite, mon prestige en prendra pour son grade. Vous en faites pas, je la crois pas beaucoup. Le fumiste vous invite à venir voir. C'est formidable! Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Georges, viens voir! Oh non! Oh, pardon! À moi! Ah! Bravo, bravo! Oui! Voir se perdre les valeurs humaines. Je crois pas. Maintenant que je connais mieux Françoise, je comprends. Ah? Oui, Françoise vous sera peut-être plus attachée quand on vous verra redevenir un homme actif. Il ne s'agit pas de Françoise. Elle me disait la même chose la veille de votre arrivée. Mais évidemment, est-ce que je suis con? Tout ça est réglé à la perfection. La perfection de l'astuce de Cécile. Eh bien, je ne marche pas. Vous m'entendez, sa belle machine? Vous ne m'aurez pas, ni vous, ni elle. Georges est le premier garçon. Tu étais vierge? C'est ridicule, non? C'est surprenant, surtout aujourd'hui. Et toi? Moi, c'est différent, j'ai commencé à 16 ans. Tu l'aimais? Je m'en souviens plus. C'était le plus beau, grand, bien bâti, ça s'arrêtait là. Tu as été déçue? Je ne le savais pas. Et puis, étant vraiment déçue, je ne crois pas. On est furieuse d'avoir mal choisi, après on essaye de mieux choisir. Mais est-ce qu'on se souvient? Tu sais, le souvenir est une forme d'égoïsme. Je n'ai pas le culte du plaisir échauffé. Je voudrais être comme toi. Il ne faut pas souhaiter vivre la vie des autres. Il faut vivre sa propre vie. Tu en as choisi beaucoup?
Tu ne comprends rien. Mais tu n'as aimé aucun de ces garçons? Je ne me suis jamais posé la question. J'avais envie de faire ce qui me plaisait, être libre. Les circonstances m'y ont aidé, je l'avoue. Tu n'as pas eu envie d'en garder un près de toi? Oh non, ils sont trop bêtes. Ils se croient indispensables et parlent aussitôt d'amour. Ils bêlent comme ces chanteurs qui font venir la larme à l'œil aux dactylos, vieilles filles et autres refoulées avec leur couplet « je t'aime, I love you, darling ». Voudrais-tu être mon amie? Tu ne me trouves pas à ta hauteur. Évidemment, vivre comme toi, je ne pourrais pas. Mais tu as Georges. Georges. Puis après tout, c'est vrai, oui, Georges. Mais aussi, mon caractère. Je suis exclusive. J'aime me savoir indispensable. Un vrai caractère de garçon. Avec les défauts d'une fille. Si tu crois que les garçons n'en ont pas. Je la trouve sotte. Jolie, mais sotte. Je me demande quelle femme vous ne trouveriez pas sotte. Hormis vous. Vous, mon petit, par exemple. Oh, c'est à cause de Georges. Pauvre amour, vous le délaissez en ce moment. Il vous l'a dit? Oh, il est trop fier pour ça. Je sais quand il est malheureux. Et quand il est malheureux, vous l'êtes aussi, n'est-ce pas? Vous cherchez à me faire de la peine. Vous m'en faites bien, vous. En trouvant Marie-Hélène sotte? Marie-Hélène est mon amie. Et vous la défendez? Je n'aime pas qu'on attaque les gens en leur absence. Nous nous énervons sans raison. Heureusement, demain, tout rentrera dans l'ordre. Nos invités nous quittent. La maison retrouvera calme et sérénité. Thank you.
Françoise, qu'y a-t-il? Oh, je t'en prie, pas de questions. C'est bon. Mais alors, laisse-moi me coucher. Tu peux la garder, je te la donne. Je pars demain. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? L'habitude. Tu me traites comme n'importe lequel de tes hommes. Ce que tu peux être drôle. Tu veux que je te dise? Tu es lâche. Tu as peur de vivre l'amour qu'on te propose. Pas de mots de vieux, s'il te plaît. Si je t'ai parlé de moi, ce n'est pas pour que tu me le reproches. Ou alors tu me feras regretter ces quelques jours agréables grâce à toi que je viens de passer ici. C'est vrai? Oh, c'est vrai? Tu es belle. Laisse-moi rester près de toi. Je me ferai petite, toute petite. Tu es insensée. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Demain, tu seras partie. Après-demain, je n'existerai plus que par ton souvenir. Le jour d'après, je serai oubliée. Bon, juste un moment. Oh, je sens la chaleur de ton corps. Nous sommes folles. Jamais trop folles. J'ai l'impression que vous la montez un peu. Ah, vous êtes comme c'est une réussite. Vous aviez pas comme à l'ordinaire. Ah, non, non, je vous dis, je vous assure, c'est parfait. Madame est satisfaite, entièrement. Un quantat de rayonnement, F puissance. Puissance pi alpha. Autant de reste, mon Dieu, de notre formidable, à peu près de 0,0. Je ne savais pas que la science du verre avait une vertu comique. C'est vous qui me faites rire, Laurentin, parce que vous dites. Allons, vous, Françoise. Dites-moi quel comique je ressemble. Moi, c'est Georges qui m'amuse. Quand il fait cette tête-là, il ressemble tellement à Cécile. Je serais jaloux de vous, ma chère amie, si vous m'enleviez le privilège enviable de servir de cible à ces deux ravissantes personnes. Qui ont l'avantage de la jeunesse, pas celui de l'esprit. Marie-Hélène, je te prie d'excuser la muflerie de ma belle-mère. Vous n'intéressez personne avec vos impertinences. Voyons. Tu viens? Moi, ma voix, mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Ah non, je n'ai pas oublié, évidemment. Oui, j'aurai quelques minutes de retard. D'accord, à tout de suite. Au revoir. Tu as soif? Tu veux aller voir, s'il te plaît? C'est la porte d'entrée. Eh bien. Oui, c'est moi, attends. C'est de mon père, j'en étais sûre. Mon Dieu, l'heure. Tiens. Je laisse l'appartement. Tu t'arrangeras comme tu voudras. Il y a tout ce qu'il faut pour déjeuner dans le frigidaire. Rendez-vous au Dandy Bar. Ah, c'est vrai, tu connais pas. Bah, tu prendras un taxi.
Ah, il me semblait bien avoir entendu du bruit, mais je croyais à une erreur. Ce n'est pas gentil de me dire ça, ça me décourage. D'ailleurs, si tu me confiais plus de responsabilité, je prendrais peut-être goût à la marche de ton usine. Oh, tu sais que j'en serais ravi, mais inquiet. Méchant, tu craindrais mes gaffes? Non, 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 parce que je pourrais les redresser. Alors? Oui, c'est difficile à dire. Une certaine inquiétude pour ton psychisme. Quand les hommes de ta génération se mettent à parler avec le vocabulaire de la mienne, c'est bien drôle. Je cherche Laurentin. Depuis 5 jours, on ne l'a pas vu au laboratoire. Il a découché. Et j'ai appris ce matin qu'il était parti avec toi. Je l'ai semé dans la nature. Grave. Cocasse. Je ne te demande rien. Je sais que tu ne parleras pas. Mais lui, il est bavard et un peu vantard. Alors, dis-moi, quand passons-nous une soirée ensemble? J'aimerais bien, papa, mais tu sais, en ce moment, c'est difficile. Bon, je n'insiste pas. On déjeune? Bon. Alors, quand tu auras un moment, jette un coup d'œil sur le dossier de ce projet. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Quelque chose d'original, de jeune. J'ai peut-être une idée. Tu as carte blanche. À bientôt, ma chère collaboratrice. Question budget? Eh bien, dans les limites du raisonnable. 5, 6? La moitié. Impossible. Les 3/4? Ce sera minable. Bon, mais pas un sou de plus. Je t'aime bien, papa. Merci pour les roses. Beau sans suspension. Regardez ça. Oh, Ariane, continuez sans moi, voulez-vous? Pardon. Tiens, tu vides ça. Je viens vous présenter mes excuses. Vous deviendriez conformiste? Non, mais vous aviez votre journée organisée, vos cours. J'ai découvert les bienfaits de l'autostop. À ce propos, vos valises sont dans mon coffre. Je demanderai à un élève de les prendre. À bientôt. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez plus attentif à mon égard. La vitesse du son est de 330 mètres en seconde. Celle de la réflexion est plus lente. Mais l'esprit finit par l'emporter. Mon cher, vous êtes trop savant. Quand je t'ai dit que j'avais rien fait, c'était pas vrai. Je t'ai attendu. Attendre n'est pas agir. Pour moi, si. Il faudra que nous ayons une explication. Pas tout de suite, c'est trop tôt. Tout est si différent, si différent. Mais Georges, sa mère, vont intervenir, faire du scandale. Je ne crois pas.
Bon, en tout cas, tu ne peux pas rester comme ça, je t'amène dîner. Habille-toi. Mais je suis habillée. C'est vrai. Alors change-toi. On va pas attendre jusqu'à minuit pour dîner. À ta place, j'irai la chercher. Je la ramènerai par les oreilles. Si tu n'y vas pas, c'est moi qui irai. Ce serait le meilleur moyen pour tout gâcher. Un petit coin de bagne. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est bien sur la femme, la femme, c'est l'amour. Hey, Marie-Hélène. Hello, Poppy, how are you? J'ai jamais vu ici. Tout le monde m'appelle Poppy. Et j'aime pas les fausses puceurs. Vous êtes en ménage ou quoi? Bonjour. Mais salut! En forme, les gars, bien. Bouge comme ça, mon chéri, tu iras très loin, ma poulette. Oh! Non, c'est pas vrai. Mon amour, ma reine, ma beauté. Alors, rien à voir dans ce total? Tu lui as fait son numéro? Oui. C'était très drôle, n'est-ce pas, Françoise? Où tu la sors? La château des mille et une nuits. Oh, ça n'existe pas. Si, et c'est le dernier, on le conserve comme une pièce de musée. Tu nous chantes quelque chose? J'ai terminé mon tour. Oh, feignant, regarde, tu fais ça, je te parle plus toute ma vie. Est-ce que t'es belle, Marie-Hélène? J'allais t'appeler. Oh, tu sais, mon chéri, mon téléphone. Tu sais le projet dont je t'ai parlé? Ah oui, cette espèce d'exhibition pour constiper de la haute finance. Eh bien, c'est d'accord avec un vrai budget. Oh, formidable, je suis riche, tu me fais l'avance? Non, pas si vite. Faut que je t'en parle sérieusement. Oh, ce que tu peux ressembler à ton papa quand tu commences à parler de pognon, toi. Salaud. J'aimerais te voir dans ton atelier. Bon, mais tu préviens avant, dis. Oh oui, je sais, j'en ai l'habitude. C'est pas de ma faute, Marie-Hélène. Je suis un faible. Je suis le valet de mon sexe. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est invraisemblable. Un soleil qui coule entre les nuages. C'est un jeu où l'on perd, où quelquefois on gagne. Un ciel bleu et un enfer sur la terre, un petit coin de bagne. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est bien sur la femme, la femme, c'est l'amour.
que c'est l'amour. C'est invraisemblable. Un soleil qui coule entre les nuages. C'est un jeu où l'on perd, où quelquefois l'on gagne. Un ciel bleu et un enfer sur la terre, un petit coin de bas. Un instant. Ça va bien, mon cœur? Oui, j'aimerais que tu viennes me chercher ici. Oui, tu prends la voiture. Au revoir, mon ange. Oui. Maigrois, vous vous transporterez auprès de Van Hulen. Pourquoi? C'est ainsi. Est-ce que les essais sur le verre magnétique ont été effectués? J'ai besoin de ton rapport pour les entreprendre. Vous l'aurez sous huitaine. Oh, je peux attendre quelques jours de plus. J'ai retrouvé toutes mes notes. Cécile va bien? Je crois. Toi? J'espère. Marie-Hélène, oh, mon bébé, mon buisson ardent, ma reine. Tu l'as volé, hein? En rentrée, mes cailles. Et griffez-nous du café. C'est pas possible. Bah quoi, t'es à poil et alors, oh là là! Ça doit représenter quoi? Suzanne, au bain. Faudra peut-être mettre avec les taux. Mademoiselle ne colle pas à l'art nouveau. Laisse-la tranquille. Mais c'est pas vrai, je suis une victime. Vous voulez toute ma peau? Ben tiens, voilà ma peau, je te la donne. Tiens, la voilà. Je suis votre esclave, faites de moi ce que vous voulez. Ben écoute, mon petit chéri, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes deux orphelins. Eh ben on va se consoler tous les deux. Et puis on mettra des petits écriteaux sur le tableau. Non, des petits écriteaux. Ah non, aujourd'hui ou dans 8 jours, il fallait que ça arrive. Viens. Ça bouge, ça s'exprime enfin. Mais alors, je vais vous passer avec vous à côté parce qu'il y a des choses extraordinaires. Champagne! Papa, je te présente Françoise. Vous vivez chez ma fille, vous devez être assez exclusive, madame. Comment ça? Avant, je ne la voyais pas beaucoup, maintenant, je ne la vois plus du tout. Oui, c'est que la préparation... Je sais. Mais papa, Françoise n'y est pas. J'en suis persuadé. Excusez-moi. Comme au jour de notre première rencontre. Si belle. La beauté n'est pas tout. Je l'ai compris trop tard. Tu as eu de la peine? Beaucoup. Je ne voulais pas. Sans doute il le fallait. Jacques.
Marie-Hélène. Il faut de grandes occasions pour te voir. Tu as une vie trop active. Mais je sais trouver du temps pour mes amis. Ça te plaît? Je suis amoureux de toi. Tu ne me l'as jamais dit. Au milieu de tous ces gens, dans le bruit anonyme, personne ne se doute qu'il peut s'exprimer des sentiments d'amour. C'est moi qui ai tout organisé, de l'idée jusqu'à la réalisation. C'est une réussite. Les sculptures? Abominable. Je décroche. C'est une conception de l'avenir, l'art du cosmos. Peut-être, mais je ne serai pas là pour voir si l'art du cosmos va s'être chien en lit. Champagne! Tu travailles beaucoup? Télévision, cinéma, théâtre. Je tourne. Là, je ne fais plus de mise en scène. Je ne suis plus une concurrence pour les mandarins de la scène ou pour les jeunes turcs du cinéma. Donne-moi la bouteille, donne. Vous avez un magnum? Alors, je le veux. Voilà. Au revoir, Georges. On se reverra. C'est nécessaire? Bien, je pars demain matin, si tu es libre ce soir. J'aimerais bien, mais... J'ai compris, ça n'a pas d'importance. Ce sera pour une autre fois. Tu vois, j'ai découvert quelque chose. Il ne faut pas lutter contre le temps, mais avec lui. Chef-d'œuvre de l'art ultramoderne. Pourtant, Ingrid, c'est mieux, hein? Allez, avouez-le! Mais c'est elle ici! Là! Et là! Bande de bourgeois, là! Oh, vous trouvez sûrement que le corps d'Ingrid est bien plus beau que mes répliques sublimes, hein? Ah, parce que son corps, bien sûr. Alors que mes statues, ça vous excite pas beaucoup, hein? Ah, vos gueules! Vos sourires, vos messes basses, là, ça prouve que vous n'y avez jamais rien compris. D'ailleurs, vous n'avez jamais rien compris à rien. Mes statues, elles ont honte d'être regardées par des têtes de veau. Mais si elles pouvaient vous détruire, oh là là. Seulement, c'est moi qui vais les détruire. Avec mes mains qui les ont faites. Ingrid, Ingrid, tu t'en souviens de celle-là? Néant! Marie-Hélène, Malione, superbe et généreuse. La 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 Oui? Non. Allô? Oui? Non, elle n'est pas là. Je sais pas, elle est peut-être à l'usine. Mais je ne sais pas. Oui, c'est Françoise. Qu'est-ce que ça peut me faire, Jacques? Thank you.
comme extérieur. Oui, oui, je vous emmenais dans les courses de voir, c'est assez très moderne comme endroit. Il y en a cours aujourd'hui. Vous allez voir cours dans 2 heures à peu près. C'est prévu. De toute façon, vous irez voir Monsieur Laurentin. Il opère toujours celui-là. Oh là là. Un de ces jours, on le fatiguera. Il est capable d'en réchapper. C'est vrai. On voit bien que vous n'êtes pas étudiant. Les copains sont des tocards, ils vous bousculent pour passer les premiers. Vous êtes en quelle année? 3e. Mais ça m'intéressait de visiter la petite usine. C'est passionnant. J'en suis sûre. Comment vous appelez-vous? Ariane. Et vous? Un jour, tu me diras peut-être pourquoi tu as quitté le château aussi brutalement. Parce que quand je t'ai rencontrée, j'ai compris que la vie pouvait être différente de celle que j'avais. Mais Georges t'aimait. Il aimait m'aimer. J'étais un objet pour lui. Tu es fâchée? Mmh. Un peu inquiète. Inquiète? Que tu aies ces pensées. Mais j'ai jamais dit que j'étais libre, mon vieux. J'ai dit que j'étais libéré, c'est tout. Être ou ne pas être? Toi, ma vieille, t'es qu'une blaquée. Oh, ça va. Vous me faites mal au ventre avec tout votre blabla sur le sexe et t'as dit croire tout ça puissant. Ouais, c'est oh, mal. Oh, ah oui, c'est intelligent. Il a raison, Marc. Faites l'amour, n'en parlez pas. Moi, je ne manque aucun de ces films érotico-sexuels. Oui, t'as bien besoin de ça. Oui, on peut rigoler. Oh, moi, j'ai trouvé d'un triste. Ah, parce que toi aussi, tu vas voir ça. Elle va pour se tuyoter. Ah, dis-toi, tu préfères les revues porno? Bah, allez, prends-la moi. C'est la lecture de cheval de Xavier, c'est vrai qu'il dort seul. Pousse-toi. Non, mais vous avez vu ce prétentieux? Il se croit tout permis parce qu'il a une situation. Qu'est-ce que t'es venu foutre dans la chimie? Ah, juste, j'aurais voulu être un psychiatre. Il est toujours temps. Bah, boucle-la. Toi, tu finiras vieille fille confite dans tes éprouvettes. Tu dis ça parce que j'ai refusé de coucher avec toi. Parce que ce mec-là se prend pour Alain Delon, genre star, très peu pour moi. Ouais, le jour où tu trouveras quelqu'un, il faudra qu'il te fasse l'amour en récitant la table de chimie. Mais dis-moi, l'amour, c'est quoi pour toi? Vous avez entendu? Il me demande qu'est-ce que c'est que l'amour. Bonjour, Françoise. Marie-Hélène va bien? Ah, oh, j'aurais dû vous reconnaître à votre voix. Une voix d'acteur. Et vous vous y connaissez. Qu'est-ce que vous voulez encore? Toujours la même chose. J'ai de la suite dans les idées. Comme vous, d'ailleurs. Oui, mais vous manquez de discrétion. Pourquoi vous opposez-vous à ce que je parle à Marie-Hélène? Je m'oppose à rien, moi. Je respecte la liberté de chacun. Mais vous séquestrez Marie-Hélène. Se laisser séquestrer, elle? Vous la connaissez mal. Laissez-moi lui parler. Ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je suis là, coincée par tout ça. Et si ça peut me faciliter la tâche, je m'occupe de votre cargaison. Je n'ai pas attendu votre permission. Hein? Je vous ai fait peur, hein? De quoi? Peur tout court. Vous n'avez aucun sens de la psychologie féminine. Admettons, admettons. Je me trompe, et Marie-Hélène, librement, fuis tout contact avec l'extérieur. Vous ne refuserez pas de lui transmettre mon message? J'aime pas faire les commissions. Écrivez-lui. Non. Le dieu de la poste est votre complice. Mes lettres, il doit les mettre sous le coude. Ça vous fait sourire, hein?
Vous n'avez pas de chance. Vous êtes victime d'une ligue. Dont vous êtes l'animatrice. Vous me flattez. Je rends hommage à la maîtrise. Quand êtes-vous sincère et quand jouez-vous la comédie? Je joue la comédie pour voler ma sincérité. Oh, très fort! Pas tellement, puisque je n'ai pas réussi à obtenir ce que je désirais. Ils ont vraiment une âme de flic, les hommes, quand ils sont jaloux. Et vous la séquestrez, et vous interceptez le courrier, et vous vous opposez. C'est un comique. Au fait, il n'est pas venu pendant que j'étais absente? Si, mais je l'ai repéré à travers l'espion. Je n'aime pas quand tu sors. J'aime mieux ça que tes trucs d'arabiscoté en verre. Hein. Et pourtant, c'est le même bonhomme, le même modèle, le même art. Marie-Hélène? Charlie, en haut. Aussi, peut-être, non? Oh, c'est pas la première fois que je me saoule la gueule, elle me connaissait, hein. Je pourrais peut-être aller la trouver. Faut qu'elle me foute dehors. Et si je te disais qu'en le faisant, tu me rendrais service? Mon pote, je suis un salaud. Je te foutais en l'air. En plus, j'ai perdu l'amitié de la seule fille que je respectais. Parce que Marie-Hélène, c'est une fille... Une vraie. J'y tenais, tu sais. J'y tenais plus que mes conneries. Oh, je l'ai jamais dit, mais je crois que j'étais amoureux d'elle. Ça me faisait du bien de savoir qu'il y en avait au moins une qui... Non, c'est fini. Dis, Jacques, tu veux pas aller la voir et lui dire que je regrette. Toi, elle te croit. Mon pauvre vieux. Salut. Ça m'est d'autant plus difficile que je me sens responsable de ce qui arrive. Il est dur d'accepter l'idée que tout est inutile. Mon cher, me permettez-vous... Non. Pas un conseil. C'est très mauvais, le conseil. Une suggestion, plutôt. Pensez moins... Et agissez davantage. Je ne peux tout de même pas l'enlever. Certaines vieilles habitudes avaient cela de bon qu'elles donnaient aux actes importants. Du panache. Aujourd'hui, le panache est devenu ridicule parce que les hommes ne sont plus à la hauteur de la situation. Mais c'est une certaine forme de comportement qui redeviendra à la mode. La platitude, la grisaille, la vivérité. Ça emmerde tout le monde. Excusez ma grossièreté, mais c'est un mot que même un professeur a le droit d'utiliser. Vivre seul, ce n'est pas la solitude. Notre solitude sera peuplée de brises marines, d'horizons sans cesse nouveaux, de soleil. Ma vie n'a jamais été aussi remplie que depuis que nous vivons seuls. Et ça, ça ne te tente pas? Non, je n'ai pas envie de bouger. Nous serons définitivement libérés de tout passé. Le tien, le mien, nous serons deux êtres entièrement neufs. Mais mon cœur, je me sens complètement différente, tout à fait autre. La vie, c'est comme une planète, elle a deux faces. Il y a celle que la société vous oblige à illustrer par des mensonges, des grimaces, des phares. Puis il y a celle à laquelle aspire notre être le plus secret. Domaine du merveilleux, où la délicatesse des rapports humains, la douceur des sentiments, l'éblouissement des sens conduisent à la communication intime. Vivre dans un même élan avec l'être aimé, sans mesquinerie, sans vulgarité, sans peur d'être jugé, à l'unisson, en abandon total, c'est ça la véritable découverte.
Marie-Hélène, notre exaltation est effrayante. Elle risque de tout brûler, de tout détruire. Tu es le plus amant de tous mes amants. Tu te souviens le jour où tu m'as raconté ta vie? Au château. Je me suis retenue pour pas te sauter au visage. Je t'aurais étranglée pour arrêter le défilé complaisant de tes aventures. Mais mon cœur, elle n'avait aucune importance. Très grande pour moi. Jalouse. Pendant que tu parlais, j'ai senti tout se déchirer en moi. Ça faisait mal. Mal. Je ne voulais pas. Je ne veux pas. Ce n'est pas digne de nous. Marie-Hélène, je sais que tu es là. Ouvre-moi ou je fais un scandale. Marie-Hélène, je vais ameuter tout le quartier. Pour la dernière fois, Marie-Hélène, ouvre-moi. Ouvre-moi, sinon je mets le feu. Je viens te chercher, Marie-Hélène. Vous me le demandez, vous? Je vous en prie, répondez-moi. Je ne sais pas. L'adresse de son père. Laissez cet homme tranquille. Il n'en saura pas plus que moi. Vous êtes complice! Mais je la trouverai! Vous entendez? Je la trouverai! En raison des différentes étapes de la réaction, Marie-Hélène a disparu! C'est pas vrai. Vous savez où elle est? Moi? J'en étais sûre. Mais il ne faut pas se mettre dans cet état-là, mon chéri. Votre histoire, ça ne pouvait pas durer. C'était une insulte à la nature. Toi et elle? C'est avec des mecs que vous devriez être. On croit que c'est bien, Marlene Greed, hein? Mort! Albert, un martini. Salut. Tu me cherchais? Quoi? Dommage, ça aurait pu être. Tu m'offres un verre? Non. C'était ma dernière chance. Je comprends. Tout ça fait partie d'un monde dont je m'étais libérée. Tout.
toi. Tu viens de m'y précipiter. Lequel est le meilleur des mondes? C'est celui qui vous procure le plus grand bonheur. Tu étais heureuse avant? Tu parles de toi, de moi, comme s'il n'y avait que nous deux. Mais non, je sais qu'il y a Françoise. J'y ai beaucoup pensé. Elle aura de la peine. Sans doute souffrira-t-elle. Je ne veux pas. Il n'y a aucune raison. Y a-t-il une raison à la douleur? Tu parles pour qui? Pour toi ou pour Françoise? Pour nous trois? Tu ne m'invites pas à rentrer? Tu travaillais? Tu es étonnée? Excuse-moi, je suis très fatiguée. Tu veux boire quelque chose? Il est trop tard. Tu es bien installée? Oh, ici, c'est simple. Pour le moment, je gagne ma vie. Sans plus. Et toi? J'ai besoin de ton aide, Georges. Je ne voudrais pas que nous revenions sur le passé. Mais on pourrait peut-être... C'est que je ne suis pas seule. Ah. Tu es heureux, alors? Est-il nécessaire que je réponde? Je suis désolée, je t'ai dérangée. Nous avons l'intention de nous marier. C'est très bien. Tu veux la connaître? Je lui dois une explication. Je te remercie pour ton attitude, mais un chic type. Un imbécile, oui. Un imbécile adorable. Je me sens soulagée. Grâce à toi. Faut-il t'attendre? Je ne sais plus rien. Je voudrais te dire une dernière chose. Tu auras été la femme que j'aurais le plus aimée dans ma vie. Rien ne s'oublie plus vite qu'un grand amour qui ne s'est pas réalisé.
Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est invraisemblable. Un soleil qui court entre les nuages. C'est un jeu où l'on perd, où quelquefois l'on gagne. Un ciel bleu et un enfer sur la terre, un petit coin. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est bien même sur la femme. La femme. C'est l'amour.